laisses en fond vert, non? Ouais, je vais laisser en fond vert, sinon on va tout niquer en fait. Oh, ouais. Alors, je viens de terminer mon match. Est-ce qu'on pourrait me donner le cadeau numéro 8, s'il vous plaît? Théo, avant tous les cadeaux. Viens, viens voir là, Vincent. Attends, on va remettre le chat. Alors, le cadeau numéro 8, c'est. Le. Quoi? Ouais, le pop-out, c'est vrai. Hop là. Le... Est-ce que Kikune devrait pas avoir le cadeau 8 parce qu'il a pas réussi à faire à gagner? Ah non, le cadeau. Okay. Le cadeau numéro 8, c'est moi qui l'ai emballé. Oui, c'est très mal emballé. Voilà, c'est le seul que j'ai emballé, c'est le seul que je connais, c'est le seul que j'ai acheté. Je te laisse l'ouvrir, Vincent, et le faire découvrir au chat. Tu peux l'ouvrir à la caméra, faut que tu le vois à la caméra. Non, on le voit pas, on le voit pas. Lève, lève, lève. De quoi? Lève, lève, on voit pas la caméra quand tu l'ouvres. C'est un caleçon? Eh ben, ce sont des chaussettes, Vincent, mais pas n'importe lesquelles, les chaussettes de la Dreamhack. Parce que tu es une chaussette, ta fille dernier. Et mais c'est pas drôle, c'est regardez. Nul. Mais je suis limite content d'être 8ème. Regardez. Des belles chaussettes. Parce que comme t'as pas gagné la Dreamhack, bah tous les jours maintenant, tu pourras mettre des belles chaussettes. Franchement, c'est réveillé-moi comme mobilité. Mais c'est nul. Des belles chaussettes. Mais 100% le chaos des 7ème est pire que ça. Je vais les mettre avec plaisir. Des belles chaussettes de la Dreamhack. Vas-y Théo, viens t'asseoir. Alors, tiens, tu peux enlever ça en passant. Alors, maintenant, je sais plus ce que c'est les cadeaux, hein. Je sais plus ce que c'est maintenant. Bon, le cadeau du 7ème. Ouvre-le à la caméra. Je sais pas ce que c'est. Hein. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est un colis. Ouais, attends, mais. Alors, c'est Meriem qui a fait le cadeau du 7ème. Hein. Non, mais c'est trop nul si c'est juste un colis vide. C'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Il y a un truc dedans. Il y a un caleçon. Quoi? C'est un caleçon. Mais c'est nul comme cadeau. C'est vraiment pété. C'est trop marrant. C'est trop bien. C'est bien rien qui a fait. Moi je m'attendais à un truc terrible ou à genre. Moi je m'attendais vraiment un chapeau de bouffon ou un truc comme ça. C'est génial ça. C'est génial ça. Est-ce que je l'essaye en live? Ouais. Non. Ouais Théo. Attends, reste avec moi, le 6ème c'est Nilad. Ah bon, bah j'ouvre le 6ème, j'ouvre le 6ème. Non, c'est moi qui l'ouvre. Ah, c'est toi qui l'ouvre? Oui. C'est vrai qu'il aime ouvrir des cadeaux lui. Je pense, ouais. Alors, le 6ème, ça commence à s'améliorer les cadeaux. C'est quoi? Ah, mais c'est des vrais cadeaux, moi je croyais que c'était vraiment des trucs trolls. C'est une casquette. C'est une casquette de reine, putain. Vas-y, attends, moi je vais l'essayer. C'est le cadeau de Nilad, ça. On lui donnera évidemment, du coup. Hein. Il streamera avec quand on lui aura donné, vous inquiétez pas. Incroyable. Attends, bon, les chaussettes. Ah oui, le 5ème. Donnez le cadeau donné. Alors, là on sait plus ce que c'est, personne sait ce que c'est. Attends, montre leur la forme, oh là là. Vas-y. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. C'est tout léger en tout cas. Ouais, c'est léger. Attends. Au début je pensais que c'était un carton vide pour toi. Ouais, c'est un truc d'Amazon. Ah mais il y a eu des trucs commandés. Ça traîne, ça traîne de ouf. Non, je pense que c'est juste des cartons, ça va être commandé, je pense. C'est juste des trucs qu'on a. Ouais, c'est des cartons qu'on a rescotché en fait. Ah ok. Ouais, je crois pas qu'on a les moyens de commander. Ah non, moi j'ai cru que ça avait tryhard de 100%. Ouais, ouais. Putain, c'est archi galère à ouvrir, what the fuck. C'est quoi? Ah! Eh, c'est très adapté! Ah putain, chanté! Non, mais ça c'est vraiment cool par contre! C'est trop bien! Il a eu un décapsuleur aubergiste! C'est l'aubergiste en décapsuleur! Putain! Mais je suis très content d'avoir fini 5ème! C'est trop bien! Ça sert à rien de tryhard! Il a eu le décapsuleur aubergiste Hearthstone! Putain! Victoire! Victoire sur toute la ligne! Bah oui, t'as fini. Tiens, tu l'enlèves de là! Tiens, tu peux en partir avec le. Aidez-moi! Tiens. Quatrième, c'est qui? C'est Oliège. Bah viens avec nous. Tu lui ouvres. Viens en live. Alors, putain, Oliège quatrième. C'est pas vrai qu'il va l'ouvrir. Le cadeau de mon bon bro. Putain, c'est génial. Putain. Putain, il est méga bien emballé et tout ça. Le cadeau de Oliège. Le cadeau de Oliège. Voilà, Oliège. Avec un peu de sauce. Avec un peu de sauce grand douce dessus. Oh, un tout petit peu. Putain, beaucoup en fait. Oh, faudra le laver. On le lavera. Je crois que c'est lui. Non, c'est les Tenders. C'était des Tenders. C'était les Tenders. Alors... Le cadeau de Liège, oh là là. Putain, c'est chiant ouvert. Attends, je nique. Hop. C'est quoi? Ouh. C'est. Oh, c'est des chocolats. Attends, mais c'est un bon cadeau ça. 19 recettes au praliné. Bah. Fait tourner au Liège. Vas-y, c'est trop bien, c'est des chocolats. En vrai, c'est de qualité en plus. C'est du chef de Bruges. Oh, ça sent trop bon. Sur les œufs.
Bon, au Liège, voilà. Attends, c'est stylé. Regarde, ils sont en forme d'animaux. Ils sont en forme de trucs de Noël. Il y a les formes. Putain, c'est le meilleur cadeau. Putain, de la bouffe. Putain, de la bouffe, c'est forcément le meilleur cadeau. De le 3, c'est moi, c'est moi. Le cadeau de Torlk. Il est excité, regarde. Normalement, à partir de 3, c'est censé être les cadeaux OP. Je sais pas, franchement, je sais pas si les cadeaux OP. Hein. Je suis pas sûr qu'il y a des cadeaux OP en fait. On s'est fait niquer, je crois. Quoi? Celui de D, il était trop OP. OD, c'était bien. C'est incroyable, j'ai grave gagné. Mais lui, il a gagné de ouf. Putain, je sais un truc Hearthstone. Oh! Attends, ça a l'air bien. Oh, c'est le mug, je crois! Oh! C'est le mug? Ah, oh, c'est le mug, je suis trop content. Mais ça va trop bien, toi, t'as le décalage. Oui, c'est vrai. Il a le mug, c'est oh, j'ai le mug! Je l'avais pas. Tout était scripté. Oh, c'est tellement. Regardez! C'est tellement scripté! Au délai alcoolique, il y a eu le décapsuleur et moi le buveur de thé, j'ai eu le mug. Non, vraiment, oh, je suis trop content. Oui! C'est à. Kikune! Bon, ouvre le cadeau de Kikune. Le cadeau de Kikune, allez. Après l'avoir ouvert en deux, tu loupes son cadeau. J'avoue, tu loupes son cadeau. Putain, c'était violent quand même, je l'ai bien chaté. C'était scripté. Tout le monde pense que c'est scripté maintenant. Oh, je crois que c'est le tapis de souris. Oh, c'est le tapis de souris trop stylé! Oh, oh non! Oh, il s'est mis bien. Oh non! Ah ouais! Mais il est énorme! Il a eu le grand tapis de souris! Genre, il est grand. Mais comme on l'a là-bas! On l'a là-bas! On l'a là-bas, on peut le montrer. Ah ouais, non, vraiment, il est trop bien celui-là! Mais il y a un petit dessin là, mais vous voyez pas bien avec le focus de la cam. Ah ouais, non, le tapis de souris Orson, il est vraiment OP! Ouais, j'avoue! Putain! Oversized, mais il est vraiment. Vas-y! Oh, c'est la finale de Mav! C'est un bon achat! J'avoue, c'est léger quand même! C'est le. Ah, montre-leur le truc! Regardez! Ça va être un bon achat, top achat! C'est tout fin et c'est. Bon, on va pas trop. J'espère que c'est pas un troll. C'est un chien sur un troll, ouais. J'ai joué Druid Combo, putain. Bah t'as voulu tryhard, cher. Je sais pas ce que c'est, mais c'est chelou. C'est quoi? Ça va être un dessin, ça. C'est l'enveloppe dedans. Du beef? Dedans, il y a 1000 euros. Le cash prize, bravo. Ok, donc c'est Sealed Air, je sais pas c'est quoi. Product Care. Ça a vraiment été commandé, non? Non, c'est une enveloppe, je pense. Ok. Ah, je sais pas, remarque. Donc on a une enveloppe. On a une enveloppe. Ici. Très beau packaging, hein, on peut. Ouais. Non, ça c'est en tout cas, ça c'était commandé, je pense, j'avoue. Ah, je sais pas. C'est juste une couronne en papier. Hein. Je m'apprête à. Attends, il y a encore un truc. Oh! Oh! C'est vraiment un bon d'achat! Oh, bon d'achat de 100 balles, Philibert, quand même! Ah, je me mets tellement bien! 100 balles! Attends, c'est pas tout! Y'a une couronne! Y'a une couronne! Ils sont! Mais peut-être qu'on peut acheter le tapis. Peut-être c'est pas le roi d'Aglobert, c'est le roi Philibert! Est-ce qu'on peut acheter le tapis de souris chez Philibert? Regardez, j'ai ma petite couronne. Qui est probablement trop petite pour ma tête. Merci évidemment, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous de nous avoir suivis pendant Merci à tous. Merci. Ah, j'avais pas vu le dos, il est encore mieux. Y'a quoi le dos? Ah, y'a des trucs. Oh, c'est trop bien en vrai ça. Merci à tous de nous avoir suivis évidemment. N'hésitez pas, on rigole évidemment, mais n'hésitez pas à commander des jeux de plateau sur Philibert, c'est nos partenaires jeux de plateau. Hein. D'ailleurs, on joue souvent en ce moment à Dominion, qui est un très bon jeu, je conseille. T'as le seum, ton mug il coûte 15 balles tout pété, moi j'ai 100 balles de jeu. Non, en vrai t'as gagné, mais c'est juste que c'est la feuille qui m'a fait marrer en fait. Bah, genre quand tu l'ouvres, ouais, c'est oui. Vrai que ça fait pas packaging. Le truc c'est que s'ils avaient pris un jeu et que je l'aimais pas, c'était moins bien. Trop mal au ventre, putain. T'as juste le seum, mon cadeau il vaut tous les vôtres. Non, en vrai ton cadeau est mieux que le mien. Ma couronne est mieux que le tien. En tout cas, n'hésitez pas à aller passer sur le site Philibert si vous aimez les jeux de plateau. Philibert d'ailleurs, c'est les partenaires de nos abonnés, attention. Exactement, vos partenaires. Voilà, l'exclamation teuf évidemment, on vous attend le 17, très bien vu Damien. On vous attend le 17 décembre tous ensemble au Bellucci. Venez nombreux pour notre grande journée de 14h à 22h. Voilà, vous inscrivez, c'est gratuit, il y aura des tournois, il y aura... c'est Driba qui me stresse là. Ciao tout le monde, on a fait... Attends, apparemment ils ont fait crash le site Philibert apparemment. Ah bon? Ouais, tout le monde se connectait, le site a crash apparemment. Non, attends, c'est vrai? Mais non. Va vérifier. Non, c'est vrai? Philibert. Spécialiste du... Ce site est inaccessible. C'est les pires.
Allez, merci à tous, on vous laisse avec Oliège, inscrivez-vous le 17 décembre, on se retrouve. Il y en a un qui a raison, il a pas entendu un seul Votre Majesté, il m'a dit. Oui, pardon, Votre Majesté. Je préfère. Allez, on va essayer avec Oliège, bonne soirée tout le monde. Ciao, bonne soirée, merci à tous.